OK, on est dans la salle de réception du produit vivant. Comme vous pouvez voir, vous avez la marque ici vivante. Elle est bien vivante. Puis, vous allez suivre tout le processus. Ça va finir à l'autre bout, congelé en sac d'un kilo. Ces messieurs-là vont verser les bacs dans un convoyeur qui va aller au premier cuiseur pour donner le premier choc thermique. C'était tout manuel, là. Okay. Puis on a essayé, mais c'était pas possible de continuer si on se mécanisait pas. Donc, on a dû acquérir de la mécanisation qui était sur un bateau-usine de Clearwater. Parce que les autres, Clearwater, c'était la seule compagnie au Canada qui transformait cette ressource-là. Moi, présentement, le crabe débute le début avril. Puis, c'est sûr que la taille du crabe, c'est la grosse période. Mais je peux transformer toutes les espèces en même temps parce qu'on est multi-espèces. Et ça va aller en diminuant, ça va aller jusqu'au mois d'octobre. Après octobre, là, on va les produits de la MAC qu'on va mettre en conserve, on va faire un peu de conserve avec moins de monde un peu. Mais qu'on va aller jusqu'en décembre. Environ à 210 degrés. C'est juste pour dire que la chair va virer du bleu au rouge et blanc. Ici, la coquille est broyée avec la chair toute. C'est la première étape. Toute la coquille est cassée. La coquille est toute récupérée pour faire des engrais pour les pelouses, les jardins. Tout est récupéré, on est complètement vert. Les problèmes qu'on a eus avec la morue et tous les poissons de fond, donc il fallait s'enligner dans des espèces qui n'étaient pas, transformées. Puis la marque de Simpson en était une, puis on savait que la ressource était là. Donc on dit, bon, ça va être peut-être... Ça va être une grosse aventure, ça va être difficile, mais on a réussi à passer au travail. La deuxième étape, ça va tomber dans un autre cuiseur pour donner le deuxième choc thermique, le choc final. Le gros compétiteur pour nous autres, c'est Clearwater. Parce que Clearwater, ils ont pratiquement pas de quota. Ils des bateaux-usines, ils ont tellement de volume. Puis, c'est le gros compétiteur. Mais nous autres, on est quand même plus petits, beaucoup, beaucoup plus petits. Puis, on a des niches, puis on s'en tire bien quand même. Il est séparé automatiquement avec le manteau. Le manteau va s'en venir ici, va prendre un chemin différent. Le pied va prendre un autre chemin. Le pied de la marque de Simpson est beaucoup envoyé en Asie ou pour les sushis, les marchés asiatiques. Tandis que le manteau, la marque de Simpson, c'est plus approprié pour les consommateurs québécois. Les déposer sur des bonnes pâtes fraîches, les faire gratiner. Donc, c'est deux marchés complètement différents. C'est peu connu encore au Québec, au Canada. On travaille fort pour le faire connaître. Puis les gens qui découvrent ça, bien, c'est très rare les gens qui n'aiment pas ça. C'est bon, mais il y a beaucoup encore d'efforts pour le faire connaître. C'est facile à vendre. C'est pas un produit qu'on fouille pour chercher des clients à l'international. Autant qu'ici, si on commence à explorer le marché canadien, Vancouver, tout ça, là où il y a beaucoup d'Asiatiques, la demande est très forte. Ici, c'est un système de brosse pour les nettoyer.
J'allais voir un peu plusieurs systèmes de brosse avec de l'eau, ça le nettoie, ça enlève toutes les particules. C'est l'inspection finale. Pourquoi avoir inspecté? Parce qu'il peut y avoir un morceau de coquille ou s'il n'est pas assez propre, ils vont la nettoyer. Nous autres, on a la chance de faire ça sur Terre. Quand c'est une production en mer, ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. En fait, on produit aux alentours de 2 millions de livres. En produit fini, c'est quelques conteneurs, là, mais on en aurait plus, puis ce serait tout vendu. Là. On tend à prioriser le marché local. C'est sûr que moi, mon mandat, c'est vraiment d'essayer de faire connaître ça avec les chaînes, les grands chefs, les restos. Mais le volume qu'on produit, bien, on n'a pas le choix d'en envoyer aussi à l'étranger. Là. C'est surtout en Chine, puis c'est ça, les marchés asiatiques beaucoup. Là. Ça, c'est de l'eau avec du sel. Pour donner, parce que là, c'est tout transformé à l'eau douce, donc on la trempe un peu dans le sel, dans l'eau salée, pour avoir la même salinité que l'océan. Comme on fait un produit en conserve, bien là, la clientèle cible, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde, un produit pas compliqué, on l'ouvre, c'est prêt à manger. On peut l'introduire dans toutes les recettes où ce que les fruits de mer sont à l'honneur. Fait que ça, je dirais que ce produit-là, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Si on prend le pied puis tout ça, là où ça demande peut-être un peu plus d'attention, quoique c'est prêt à manger aussi, mais les grands chefs aiment beaucoup. On sait beaucoup les grands chefs qui vont le mettre à l'honneur, là, la présentation est soignée, puis c'est un produit qui est de chez nous. Les gens aiment ça manger puis travailler avec les produits de chez nous, fait que je pense que c'est vraiment notre clientèle cible. Je connais les tensions entre la Chine et le Canada au niveau politique. Est-ce que ça vous touche au niveau économique dans vos exportations? À l'heure actuelle, non, mais on commence à être nerveux. On a peur qu'ils arrivent avec des taxes. Mais à l'heure actuelle, non. Ça ne nous a pas affecté encore, mais avec ce qui se passe, là, on commence à y penser. C'est pour ça qu'on essaye de... Nous autres, on est certifiés, donc on va essayer de diversifier vers l'Europe. De la main-d'œuvre, ça vous touche? Oui, ça, c'est notre gros problème. À l'heure actuelle, c'est le plus gros problème. Vous savez qu'on est en région, comme Port-Neuf-sur-Mer, il y a environ 600 personnes. Donc, puis ma moyenne d'âge, à l'heure actuelle, est à peu près de 52 ans. Les jeunes, ben, les jeunes quittent pour la ville, puis ils ne veulent plus revenir. C'est normal aussi. Il n'y a pas grand-chose. Ça prend des passionnés pour rester ici. Malgré que c'est très, très beau, mais un jeune, il ne pense pas... C'est sûr que ça ferait un jeune qui aime la chasse, puis la pêche, puis la nature, pour rester sur la Côte-Nord, surtout d'un petit village comme on reste. C'est très difficile de retenir nos jeunes. C'est la dernière inspection. L'inspection finale pour les pieds. S'il y a des pieds qui ne sont pas vidés, ils vont être repris et repassés, comme je vous disais tout à l'heure. Sinon, ben, ça continue là-dedans. Et cette machine-là, c'est nous qui l'avons inventée. C'est une machine pour avoir la même finalité que l'océan. Présentement, il y a des solutions. Les usines commencent à importer de la main-d'œuvre, soit du Mexique ou d'autres pays. Mais c'est très dispendieux et c'est assez difficile aussi. Je vais vous donner un exemple. Admettons que je veux avoir des Mexicains qui travailleraient pour moi au printemps. À l'heure actuelle, ce serait impossible. Il faut se prendre un an d'avance. Et c'est très... En passant par les agences, c'est vraiment dispendieux. Voyez le produit fini. C'est le produit final. Les Asiatiques, ils vont la fendre comme... Ils vont la fendre, ils vont la mettre sur des boules de riz ou des... Pour réussir à faire... travailler nos gens toute l'année, parce que si les gens travaillent 6 mois, comment est-ce que veux-tu que les gens demeurent ici, puis c'est pas une solution de faire venir les personnes d'autres pays. Moi, je pense qu'on est mieux d'essayer de faire travailler, puis mécaniser le plus possible, faire travailler nos gens 12 mois par année, puis bien les rémunérer pour les garder, les inciter à venir sur la Côte-Nord. C'est pour ça que moi, je veux me lancer dans la troisième transformation,
pour essayer de travailler à l'année, pour garder mon personnel. Tous les pieds vont passer dans le tunnel de corrélation et vont ressortir au bout, congelés individuellement. Pourquoi individuellement? Parce que c'est plus facile. Nous autres, on ne corrèle pas en bloc. C'est plus facile pour le consommateur de prendre un pied ou deux pieds. C'est pas tout pris en bloc. Qu'est-ce que vous faites après? Après, c'est trempé dans un bassin d'eau pour donner une couche de glace pour la conservation. C'est un écran, c'est des photos qui se prennent. Toutes les photos vont se prendre, puis ça va indiquer, comme je disais tout à l'heure, dans quel cas vous envoyez. Là, c'est des jets d'air qui vont envoyer la MAC dans les bonnes cases. Parce que la photo, elle va prendre la photo, ça va indiquer quand elle va passer vis-à-vis, bon, le grain d'air va l'envoyer dans la bonne case, si c'est une médium, une large ou une small. On expédie dans des conteneurs, dans les vannes jusqu'à Montréal. Puis de Montréal, c'est dans un conteneur qui part de Montréal, qui va jusqu'à Seattle ou Vancouver. Puis après, ça, c'est toujours congelé. Après, ça prend le bateau, puis ça prend environ de Vancouver 15 jours pour se rendre soit à Hong Kong ou un peu partout en Asie. Je pense qu'il y a beaucoup de place à ajouter du poisson. Puis des fruits de mer dans les assiettes des gens. Par contre, je pense qu'il y a un problème de connaissance aussi. On parle de mac, mais qu'on parle de toutes les autres espèces, fruits de mer, poissons, du turbo, bien, les gens ne savent pas assez, je crois, qu'est-ce qui vient d'ici versus qu'est-ce qui est importé. Je pense qu'il y aurait moyen de mettre beaucoup plus de poissons dans la vie de tous les jours chez les Québécois. Là. Oui, il faut se diversifier pour la MAC, dans des produits de troisième transformation. Puis là, on va faire une sauce au fond de mer, mais il va y avoir d'autres produits qui vont se rajouter à ça. Les marchés sont là? Oui, les marchés sont là. Quand on fait un bon produit, puis on fait des études de marché avant, puis il n'y a pas de problème avec ça, mais les marchés sont là. Surtout dans les plats maintenant, avec ça a changé, le monde cuisine moins, ça prend des plats préparés. Fait qu'on sait qu'il faut s'envoyer là-dedans. Avec des bons produits, on n'est pas inquiet, ça va percer.